Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Tente Ma Chance. Aujourd'hui, ça y est, je vais vous montrer comment faire un retrait sur AmberFun via cette vidéo. C'est suite à cette vidéo, comment gagner du Bitcoin avec cette appli iOS ou Android que j'avais faite, auquel un commentaire qui est Arnaud Kent 7981, mais comment on fait pour retirer. Donc voilà poteau, je te sors la vidéo comme promis, comme je t'avais répondu dans les commentaires, je vais faire une vidéo prochainement, et ben ça y est, je vais te montrer comment faire un retrait justement quand tu as de l'argent, quand tu as plus de 10 000 Satoshi sur cette application. Donc tout d'abord, pas de jingle, on va attaquer tout de suite avec une petite vidéo toute simple, hein, comment retirer. Nous allons tout simplement déjà connecter mon téléphone pour que tu le vois à l'écran et t'expliquer vraiment comment il faut faire. Donc tout d'abord, il te faudra aussi un wallet, d'accord. Donc moi je vais utiliser Coinbase pour l'exemple, mais il te faudra un wallet en BTC, en Bitcoin, d'accord, parce que ça va être du Bitcoin à envoyer sur ce wallet. Donc c'est parti, je connecte mon téléphone sur l'écran et on voit comment faire pour justement faire une demande de retrait. Allez, let's go. Donc voilà, j'ai connecté mon iOS, le téléphone parrain, hein, ça va être dessus, vu que j'ai 48 000 Satoshi, donc minimum 10 000 Satoshi, plus de 10 000 même, poteau, comme je te l'avais dit. Si tu vas dans Wallet, ici en bas à droite, eh ben, tu pourras voir la somme que tu as, d'accord. Donc homme, pour savoir si tu as plus de 10 000 Satoshi, donc surtout fais à peu près du 12 000 voire 13 000 Satoshi pour que tu puisses après faire un virement sur ton wallet, genre Coinbase, Binance ou quoi que ce soit en Bitcoin. Tu vas voir que là sur les 27,43 € que j'ai, d'accord, je vais demander à les échanger. Donc première étape, je l'avais dit, avoir plus de 10 000 Satoshi. Ils le disent ici, normalement c'est d'avoir d'être entre le 15 et le 30 ou 31 du mois, donc les deux dernières semaines du mois. Donc tu iras justement où est-ce que je t'ai dit, d'accord. Donc SatReward, tu cliques dessus, voilà, tu vas cliquer dessus et tu vas aller dans la petite flèche ici, comme je l'avais expliqué dans la vidéo. Donc là, si tu as un wallet Polygon, que tu veux du WBTC, tu auras des frais de gaz de 47 centimes de dollars, d'accord, ou d'euros, je ne sais plus, d'euros, 47 centimes, donc très peu de frais, d'accord, pour aller sur Polygon, un wallet Polygon WBTC. Sinon, moi, je vais te le montrer en wallet normal, sur n'importe quel wallet Bitcoin, que tu pourras faire ça. Donc, comme je dis, il y a 1,87, mais ça, c'est moi qui le veux. Moi, je veux recevoir ces Bitcoins sur Coinbase, donc ça ne me dérange pas de claquer 1,87 de transaction. Donc, première étape, avoir 10 000 Satoshi, plus de 10 000 Satoshi. Donc, moi, je vais choisir Amber Bitcoin Wallet, pour l'exemple de la vidéo, d'accord. Je vais faire continuer. Donc là, il m'a dit attention aux frais, ils sont très hauts ou quoi, donc moi je m'en fous, donc je fais continue. Ouais, c'est soit que tu attends que les frais baissent, ou alors si tu veux vraiment l'argent, tu prends. Moi je le prends, pourquoi, parce que le Bitcoin a chuté et je vais commencer à les stacker pour justement, si ça remonte, à faire du profit dessus. Donc ceux qui prennent AmberFun, hein, n'oubliez pas que si vous voyez vos gains descendre, ne soyez pas choqués vu que le Bitcoin chute, d'accord. C'est le but, c'est de faire avoir autant de Satoshi possible pour quand il va remonter dans les 80 000 prochainement, d'accord. Et normalement il devrait atteindre les 80 000. La seconde étape, ça va être ça, d'accord, du Bitcoin. Donc miner vraiment tout de suite. Donc comme je le dis, hein, le lien est dans la description. Tous ceux qui cliquent sur le lien ont le droit à 10 Satoshi de plus. Au lieu de tourner à 1 Satoshi, grâce au lien, tu peux tourner à 11 Satoshi. C'est ce que mes 4 téléphones derrière, même 5 avec la tablette maintenant, j'ai une tablette que j'ai récupérée, qui tourne à 11 Satoshi chacun. Sauf mon téléphone parrain, comme tu vois, ça rajoute 10 Satoshi sur le téléphone parrain à chaque fois que je fais du parrainage à côté, d'accord. Donc
Ça, fais-le, hein. Comme j'ai dit, trouve des gens de confiance, ça va te servir. Et ça, si t'as des centaines de personnes qui cliquent sur ton lien et qui sont bien actifs, bah, tu verras que tu vas avoir un bon petit revenu grâce à cette application qui est totalement gratuite, poto. Voilà. Donc moi, je te le dis, ceux qui voient la vidéo, n'hésitez pas à être actifs tous les jours, à cliquer. Et je crois qu'il y en a certains que je vois qu'ils ont cliqué sur mon lien et ils sont actifs tous les jours. Et c'est bien pour vous. Vous inquiétez pas, ça va arriver, c'est le début, vous commencez à miner. Moi, ça fait longtemps que je le fais et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'argent qui est rentré déjà dans mon portefeuille grâce au Bitcoin. Moi, c'est cette vidéo que je vous fais pour vous faire profiter parce qu'il va remonter par la suite, d'accord? Donc, arrivez là, poto, on reprend, arrivez là sur tes cendres, d'accord? Tu peux voir que tu as, bon, moi j'ai 48 000, toi si tu as 15 000, c'est bien. Moi, je vais taper 48 000 Satoshi, admettons, d'accord? Donc il faut savoir qu'il y a des frais de. Il y a des frais, d'accord? Donc si je fais 48 129, admettons, si je prends ça, j'ai 27,43 estimate. Donc je vais faire continuer. Jusque-là, facile, tu as juste à mettre tes satoshis que tu as. Là, ils te disent que les frais sont de 1,87 et que tu vas recevoir ben, la somme, comme là, 25,56 € entre le 30 et le 5 juillet. Donc c'est récent, on est le 29, les potos. Alors pourquoi le 29? Parce qu'on ne sait jamais, au coup le 30, c'est carrément surcomblé de dents qui demandent leur virement. Hein, comme je dis, c'est entre le 15 et le 30 ou le 31. Donc moi, je préfère faire le 29 pour être tranquille, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent le 30 ou le 31 pour faire la demande de virement. Et il y a des moments, ça bug, et malheureusement, tu peux pas retirer ton argent. D'accord? Il faut que tu rattendes le 15 du mois. Donc voilà, là, je vais faire withdraw. Donc en fait, là, je me suis trompé, poto, je vais aller trop vite, un petit peu comme vous, hein, vous êtes pressé d'avoir votre argent, et c'est normal. Mais en fait, la première étape, comme vous pouvez voir, j'ai une adresse BC1Q96C. Et bien en fait, le transfert va se faire. Là, c'est la première étape du 29, comme là, on est le 29. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, ben, demain, si tu as plus de 10 000 Satoshi, ben, demain, tu peux demander aussi un retrait. En fait, c'est un transfert. Tu vas faire un transfert. Donc, ça coûte 1,87 € en ce moment. Le transfert va atterrir. Donc là, il est fait. Il n'y a plus rien à faire, poto. Mais tu vas atterrir ici. Ça veut dire que les 27,44, donc on peut voir qu'on va recevoir 25 €, je ne sais plus combien, et des cacahuètes, hein, il y aura 25 € en Bitcoin. Ça va être ici, poteau, que nous allons recevoir l'adresse. Donc normalement, je pense que ça doit être ça, voilà, BC1Q96. Donc n'aie pas peur si tu fais l'échange, l'échange va atterrir sur ce wallet ici, d'accord? Donc c'est entre le 30 et le 5 juillet. Du coup, je vais faire un cut sur cette vidéo. Et en fait, eh ben, il faudra que tu ailles pareil, hein, les poteaux. Dès que tes 25,40 € sont ici, ben, tu cliqueras sur cette case-là. D'accord? Et là, eh ben, tu pourras faire la petite flèche là. Tu pourras faire cette petite flèche, donc là j'ai 0, et d'insérer tout simplement ben, tes satoshis que tu as, d'accord? Donc ils vont te demander aussi des frais de gaz, mais ça on verra ça juste par la suite. Donc j'attends que les satoshis arrivent et ben, nous serons au mois de juillet, à l'heure que tu verras la transaction de Amberfun jusqu'au wallet Coinbase. Donc voilà les potos pour la première étape pour l'échange sur l'application Amberfun, échanger ses Sat Rewards en BTC. Donc comme tu as pu voir, Polygon, si tu veux en Polygon, ça va être vraiment échangé sur ton wallet Polygon, d'accord? Là, c'est vraiment le Bitcoin où tu peux le balancer un peu partout sur tous les wallets. Donc la vidéo sortira de Bitcoin maintenant, non pas les Sat Rewards, mais les Bitcoins, d'accord, les Satoshi que tu as demandé prochainement. Donc maximum, comme ils l'ont dit, c'est le 5 juillet que ça va être échangé. Donc la vidéo sortira début juillet, donc maximum le 5 juillet que la vidéo sortira pour te montrer maintenant comment faire ton virement de Amberfun jusque Coinbase ou Binance ou sur ton wallet qui a du BTC, enfin du BTC à mettre du Bitcoin. Voilà poto. Donc on se retrouve dans quelques jours, du coup, en attendant cet échange. Et moi je te dis à la seconde étape qui est le virement de ces Satoshi.
Allez, tchuss, c'était Je tente ma chance, abonne-toi si tu veux voir la suite de ce virement d'Underfin. Tchuss les potos. Yeah.